s'il faut le raconter, je vais le raconter. Donc c'était une soirée à Goa. Vous connaissez tous les soirées à Goa. Donc ce soir-là, j'étais parti, un peu comme tout le temps. Et je suis parti dans une caravane. De belles jeunes filles étaient là. Elles avaient des tendances légèrement légères. On va dire qu'elles couchaient avec le même sexe. Et donc, ces filles-là, j'ai commencé à boire des bières. Et vous me connaissez, je suis assez ouvert. Et donc j'ai baisé. J'ai baisé. Voilà. Je vous épargne les détails. Je ne dirai jamais ça, mais j'avais donné. J'étais au bord du rouleau, la vie dans Vendouillère. Mais bon, il fallait que je trouve des clopes. La clope post-coïtale. Donc j'ai décidé de franchir des rivières, gravir des montagnes. La montagne était très rude d'ailleurs. Ensuite j'ai pourfendu un camion qui passait par là, le salaud. Et puis j'ai chassé la menace communiste avec Robert Hue et toute son équipe de Goa. Vous m'en remercierez plus tard. J'ai trouvé mes cigarettes, j'en ai fumé une et c'était fini. Dégage, espèce de viseleur, espèce de gros pas. Eh oh, laissez-moi entrer, ouvrez, merde. Vas-y, casse-toi. Non, je déconne. Excuse-moi, ça m'a donné envie. Merde. Les sangouins, ils traversaient des rivières. C'était bon, c'était bon. Allez. Ça doit venir de là. J'ai baisé. J'ai pas été en forme. J'ai décidé d'aller chercher. Si, promis, c'est la vérité. Oh, c'est naze. C'est en fait. Regarde là. Ouais, là-bas. Si, promis, c'est la vérité.